Tout commença par de l'inquiétude. Nous avions rendez-vous à 8h30 et il est 8h37. Ces visages inquiets, il en manque deux, on sait pas où ils sont. Alors il y en a un, il est tout le temps en retard, mais l'autre, il est toujours à l'heure. Je dirais pas lequel. Non mais là, on est un peu inquiet quand même. Alors la balade du jour, c'est toutes les mairies de l'agglomération. Il y en a 22. Il y a un type qui a tracé ça il y a quelques années, le tour de toute l'agglo en vélo. Ça fait 100 km, mais nous, on a décidé de le faire un peu plus gravel. Donc Sébastien a retaillé la trace pour un peu passer par les chemins de forêt. Et donc ça fait 115. Ah, en voilà un. Ça va être sympa quand même. Bah attends. Parce que ça, c'est pas normal. De quoi ? 8h38 quand même, putain. 39. Ils s'engueulent avant qu'on l'engueule. Putain, mais tu respectes rien. Mais non, je m'énerve tout ça, je me respecte même pas moi-même. N'empêche que pour Seb, je suis inquiet là du coup. Ah merde. Bon, on va voir. T'as failli arriver à l'enlever quand même. Ça fait 10 minutes qu'on attend, t'exagères. Redescends. Et tu sais qu'il faut pas forcer avec le froid. Ouais, bah là, c'est trop tard. Bon, on est au complet. Allez, on y va. Nous sommes devant la première mairie, celle d'Orléans, qui est composée de deux bâtiments. La vieille mairie, l'hôtel Groslot, la mairie des mariages. Et puis la mairie administrative qui est juste là. Allez, c'est parti parce qu'il fait vraiment froid. Ça, c'est l'école des beaux-arts, l'institut d'art visuel. C'est un peu glissant par terre. La deuxième mairie du parcours, mairie de Fleury-les-Aubrais. Je savais pas où c'était la mairie de Fleury-les-Aubrais, t'es jamais vu là toi. Moi on sort, mais moi je suis pas d'ici. On continue, ça caille hein, quand même, hein. On roule pas très vite. Allez, mairie suivante. Wow, ils discutent tellement qu'ils savent pas où ils vont en fait. C'est le même business que dans les... qu'après la première guerre mondiale, c'est le business des monuments aux morts, il y a le business des... Les sculptures au milieu des ronds-points, c'est la même chose. Putain, c'est l'air. En plus, ça s'allume, je suis sûr. Waouh. Petit chemin. Nouvelle mairie. C'est la mairie de Semois. Pas très loin de Fleury-les-Aubrais, Semois. Alors, c'est écrit là, t'as sur ta gauche. Fondateur du basket. Le mec, il a fondé le basket. Donc la NBA, c'est lui. Non mais fondateur, il doit y avoir une astuce. Parce que avant 73, il y avait déjà les Harlem Globetrotters. Non. Il y avait les Harlem Globetrotters. C'est lui qui a inventé le basket. Les mecs, en 60, il y avait déjà les Harlem Globetrotters. Qu'est-ce que tu me racontes ? Fondateur du basket, ça veut dire. Ouais, c'est ça. Ça doit être un autre truc, le basket, ici. À ce mois, c'est autre chose. Non mais le mec, il a pas inventé le basket, c'est pas possible. Regarde, il y a le terrain, là. Ah, il a fondé ça, le mec. Oui, c'est lui qui a fait ça. Bon, allez, on est parti. Ils ont combien de mairies, ici? Ah ouais, ça n'avait rien à voir, c'est là, la mairie. Alors, excuse à tous les gens de ce mois qui ont vu hurler et sauter quand ils ont vu qu'on filmait l'école primaire, parce que la mairie, elle est là, en fait. Marc, on s'est fait avoir par le Liberté, Égalité, Fraternité sur le fronton de l'école. Là, c'est la mairie. Allez, c'est parti. Le vent, il a 24 km/h de face. Ça, il est froid, on le sent. Bien le bonjour. Ça, c'est la mairie de Saint-Jean-de-Bray. Donc, c'est notre quatrième mairie, je crois, en moins de 12 km. Puis là, il y a un groupe de cyclistes. Donc j'ai discuté un petit peu avec eux. Eux, ils ont une super pratique, ils s'habillent en cycliste le matin, ils montent sur la machine, ils font 800 mètres, ils vont devant la mairie, ils s'attendent, ils vont boire un café, puis après ils rentrent. J'ai bien compris ? Allez, nous on va continuer notre périple. Andiamo. Bonne journée. Allez hop, prochaine mairie. Le canal il est givré, alors il n'est pas givré totalement, mais on voit que ça c'est en train de fondre, hein, parce que là on est au-dessus des 0 degrés. Fut un temps où les gamins du coin ils allaient jouer sur le canal, complètement givré. Je t'avoue que je suis passé à Combleu des dizaines de fois, j'ai jamais prêté attention à la mairie. Liberté, égalité, fraternité. Chut. Oh là.
Donc, il y a du monde. Nous sommes à Bou, toute petite commune, et ça, c'est la mairie de Bou. Il y a plein de jeux de mots à faire avec Bou, on va les éviter. Je fais aucune photo, moi je vous piquerai aux photos les gars. Un petit patelin comme Bou un dimanche, c'est très très calme. On sort de Bou. Mardier. Et la petite mairie de Mardier. Ah, des vignes. Un petit peu de chemin en terre, du verglas. Soyons prudents. Là on est dans les agglos où c'est un peu plus champêtre. Là-bas c'est le canal, là-bas c'est la Loire, et au loin on entend le pan-pan des chasseurs. Bonjour. J'ai joué là moi à la fête de la musique. Ouais je sais. Mairie de Chessy. Ça, c'est la mairie de Chessy, de face, avec marqué mairie dessus, c'est mieux. Cette fois, c'est bon, on y va. Yep. Elle est là. C'est la mairie de Boigny-sur-Vionne. Charmant. Liberté, égalité, fraternité en bleu, blanc, rouge. Joli. Je te raconte encore. C'est tout à fait sérieux pour une fois. Ah ouais, vas-y. Est-ce que quand tu as passé là, est-ce que tu as entendu les clameurs de la foule? Non. T'as gagné une course ici? Non, monsieur. J'ai gagné deux fois ici. C'est pas fini. Même Eddy Merckx n'a pas gagné deux fois à Boigny-sur-Vionne. Pas mal. Là, je crois qu'on a perdu toute l'audience. C'est qui Eddy Merckx? Bon, on va y aller parce que là, on s'est un peu chié avec tes histoires. Mais non, bravo. Bravo, mon lapin. Mon lapin, j'aime bien, j'aime bien. Parc de la Charbonnière. Marigny des usages, liberté, égalité, fraternité. Et de l'autre côté, forcément, il y a l'extension, hein. C'est un peu comme ça dans tous les patelins. Hein. Et on est parti. C'est la mairie de Chanteau, mais il y a très peu d'espace. Je vais aller de l'autre côté avec mes camarades pour la filmer. C'est le patelin le plus au nord sur la trace, je crois, de l'agglo, non? Vous n'avez pas personne à regarder, en fait. Dis, on n'y va pas, Seb. Non, je sais pas. Je demande. Tu vois, ce qui est formidable, c'est que, en fait, très peu de gens connaissent le tous les patelins de l'agglo, les machins. C'est... Voilà, enfin, moi, je vais oublier dans 15 jours, mais... Bon ben on roule à 20 de moyenne, hein. Alors, pas très vite puisqu'on s'arrête. Ouais non mais c'est cool. Non parce que là on voit bien qu'il y a celui qui a fait la fête quand chie. Celui qui a roulé comme un porc hier quand chie. Et les deux qui n'ont rien à foutre, pas un regard derrière, je vous vois faire. Hein. Bon, pas un regard pour savoir où ils sont, s'ils ont chie. On est là pour faire du vélo aujourd'hui. L'autre il passe dans des patelins où quand il était minot il a gagné, du coup ils se sont poussés des ailes. Oh, j'étais minot, j'avais déjà atteint la majorité hein, malheureusement. C'est minot 18 ans. Minot, ouais. Bon, ça fait 10 ans. Hein. On a chien. Soit c'est les chasseurs, soit c'est le GIGN, c'est une base militaire où s'entraînent le raid et tout ça à côté. Après le détour dans la forêt qui nous a rajouté 15 km, mais c'était les 15 km de plaisir, sauf pour Sébastien. Nous revoilà dans l'agglomération. Voilà, on arrive à Saran là. Tu reconnais, c'est là où il y a le bout de l'aérotrain. Ah bah ouais, là ça se
traitant à mort, rien de tout ça. Tant mieux, hein. Non, c'est là l'Amérique. Allez, vite là. Et voici la mairie de Saran, avec un Saranais. Mon pays. C'est une mairie de quel bord? Communiste en plus. Ah, une mairie communiste. Très bien. Les gauchos. Enfin, vraiment très bien. Je le revendique. Ma première licence de vélo, je l'ai eue à l'USM Saran VTT. En 97 ou 98. Mes secondes armes de théâtre, je les ai fait au théâtre de la Tête Noire de Saran. Et ma mère est enterrée à Saran. Bon, ben voilà, Saran. Il est midi et on a fait la moitié du parcours, là, je crois. Il est midi, il faut que je rentre. Ah, c'est vrai? Ah, bah oui, pas mal. Bien gazé. Un de moins. Je ne peux pas être deux fois en retard dans la même journée. J'ai pas le alors ça. Il ne peut en rester qu'un, on en a perdu un, on n'est plus que quatre. C'est parti. Ça c'est l'hôtel de ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle, avec la jolie petite église de l'autre côté. Je suis déglingué. T'habites où toi? Non mais c'est où? Là-bas. Et on va où? Eh ben on va à Orme. Ah ouais. Toi t'habites où toi? La Chapelle. On y passe. T'as resté toi? Moi je fais deux fois le tour. On va y aller alors. Salut. 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 Bonjour et merci. Bonne promenade. Et l'autre tranquille direction Roubaix, ses pneus de 32 lisses il passe. Alors que moi je tire les fesses depuis tout à l'heure. On est bon. C'est nouveau ça, c'est un aménagement récent. Ah ok. Et ils ont fait l'agrandissement des voies, ils l'ont un peu laissé à l'abandon. Ah d'accord. Bon, c'est parfaitement faisable sans prendre la forêt comme on le fait, les petits endroits où ça glisse. Hein. La trace existe en version beaucoup plus urbaine avec les pistes cyclables comme là par exemple. Nous venons d'entrer dans Orme et sa magnifique zone industrielle. Ouais, bah forcément, avec toutes les entreprises. La mairie de Orme, avec son sapin. Et Seb habite à 800 mètres. Là, il y a ses jambes qui lui disent « Viens, rentre !» Non, je vais faire une de plus. Allez, une de plus. C'est parti. On appuie et ça part. Il a bien mal à sa gueule. Oh la vache. Bien dégueu. Alors je vais vous montrer un peu là où ils ont amené le gars. Regardez un petit peu l'état des roues. Jusque là c'était super. Ah putain. Et là le mec pour 200 mètres, il nous met dedans. Regarde, c'est dégueulasse! C'est dégueulasse! Ah, il va rentrer le bâtard! Oh putain, arrivé au bout, on te coince, on te tape! Oh la vache, regarde ce que j'ai décollé de là! Putain, ce bruit! Ah ouais, le roubé, il a rien, lui! Forcément, avec les pneus lisses, ça accroche pas? Regarde, regarde, regarde! Regarde, tout ce que je sors! Oh la vache! T'as un bateau plus dur que le mien, toi. Ouais, je suis équipé. T'es gentil. J'habite dans la Beauce, moi j'ai l'habitude. Oh la vache, attends, je vais faire ce côté-là. Oh putain. T'as encore, ça serait de la mousse au chocolat. Oh puis là, le boîtier de pédalier, là, c'est tout dégueu, les rayons. Oh, mais quel con.
Tout ça pour 200 mètres alors qu'on aurait pu prendre la route. On aurait pu prendre la route. Il y a des routes partout. Oh putain. Ah bah il y a des fois je me plains. Oh, toi aussi là. Oh là, je suis pas le seul. Hein. Quand t'es le spécialiste des bons parcours, des bonnes traces. Tout. J'aurais pas dû m'arrêter en fait. J'ai vu Fernand s'arrêter, je me suis arrêté. Fallait pas mettre pied à terre. Parce que là j'ai mis pied à terre. Et alors les chaussures, je sais pas si je vais pouvoir recaler. Hein. Oui. Tu crois? Cette solidarité chez les cyclistes, regarde, à 3 sur un vélo. T'as pas entendu le bruit que ça fait, les freins là? Non, mais c'est rien, ça va se remettre. C'est rien, ça va se remettre. Si vous voulez dire, y a pas de... enfin, ouais. On va voir. République française. C'est la mairie d'Ingres, joliment décorée. Bon, ben, on va y aller, nous. Le responsable rentre chez lui. Le mec nous a mis dans la merde, il se passe. Non, attends, je vous venez là, 1, 2, 3. Tu rentres chez toi? Ouais. Ouais, on va pouvoir rouler enfin. Oui, et puis on peut peut-être lui cracher au visage avant qu'il parte. Tu te barres pas parce qu'il y a des surprises. Non, il n'y a pas de surprise. Il n'y a plus de surprise, fini les... Non, après c'est nickel. Ok. Nickel. Non, vraiment, vraiment. C'est tu l'as cassé? Non, non, petit réglage, je profite. Oui, il est 13h, hein, les amis. Il nous reste 40 bornes, à peu près. Ouais, à 15 de moyenne. Moi j'ai prévenu que je rentrais tard. Hein. Allez hop. Et on est reparti. Ouais, plus de 3. On quitte un Ingres, on rentre à la chapelle Saint-Mémin. C'est pas là où t'habites, ça? Ça, c'est la vieille mairie. C'est ce qu'il nous dit le local du coin. Non, voilà, la nouvelle, t'es plus belle, tu dis? Elle est plus belle. Alors, c'est parti. Eh bon, allez derrière, on peut. Cet hôtel de ville, un parc. C'est l'arrière en fait. Bon ben c'est l'arrière de la mairie de la chapelle Saint-Mémin. Bon il nous reste 40 km, c'est pas tout hein. On a dû finir le nord quasi là non? Il reste quoi de ce côté là? C'est ça, on va à Orléans, on traverse et puis on a fait. Il y a beaucoup plus d'agglomérations au nord de la Loire qu'au sud finalement. Ça c'est la grosse entrée principale avec marqué République française, la France. Je suis mes lunettes. Ah ben voilà, on traverse la Loire et il nous reste moins de 40 km. Seb, si tu regardes cette vidéo, tu nous as dit en partant, non, c'est fini, il n'y a plus de chemin de merde. Ça, t'appelles ça comment là? On va le zapper ce chemin-là, nous, on va aller tout droit par là. C'est pareil, on se prendra moins de merde. Mais on se souviendra, hein, on s'en souviendra. C'est une des plus jolies celle-là aussi. Hein. Celle-là, elle est vraiment belle. Ouais. On est à Saint-Hilaire-Saint-Mémin et ce bâtiment devant lequel je suis passé mais des dizaines et des dizaines de fois en croyant que c'était l'office du tourisme ou je sais pas quoi, et ben c'est la mairie. Elle est très très belle cette mairie avec ses petits drapeaux. Et c'est parti. Non, non, c'est là. Ouais, c'est ça. C'est ça. On a pas l'air d'aller à Saint-Télé. Non, il va pas. Alors est-ce que Saint-Télé est hors radio? Je sais pas, tu veux qu'on s'arrête et on vérifie? On va s'arrêter deux secondes. C'est curieux quand même, parce que Saint-Télé soit et Saint-Télé. On prend la piste cyclable le long de la grande route, et Saint-Privé, on y est. Hein. Et après, on peut repiquer sur Olivet. On est en train de se rendre compte que ils nous ont zappé une mairie. Il nous a... On l'accuse, c'est à de nouveau Sébastien. Bah oui, c'est Sébastien, forcément. Il s'est barré, il savait le salaud. Toi, t'es sûr que c'est dans l'aglo, hein? De toute façon, ça mange pas de pain d'aller là-bas. Mais si on n'y va pas, on a raté notre truc, donc il faut qu'on y aille. Allons-y, allons-y. On y va, on fait demi-tour. Et après, on va rechoper la trace de toute façon. Oui, oui, je suis pas inquiet. Ça va être un petit peu plus long, c'est tout. C'est de la glace par terre. Elle est mignonne en plus. Voilà, la mairie qu'on a failli louper. Voilà, Seb. T'avais oublié cette mairie. Heureusement qu'il y a des gars qui réfléchissent dans la bande. On est à Saint-Privé-Saint-Mémin. Il reste Olivet, Saint-Cyr-en-Val, Saint-Denis-en-Val, Saint-Jean-le-Blanc. C'est parti. Allons-y. L'enthousiasme. La difficulté de la journée. On arrive à Olivet. C'est la mairie d'Olivet. Les habitants d'Olivet sont beaux. Et je ne dis pas ça parce que ma cadette habite Olivet. La joie se lit sur vos visages.
continue. Allez-y. Allez-y, on qu'il pleuve. 14h35, voilà la pluie, bordel de merde. Là, il nous fait prendre une rallonge. Ouais, bah nous, le but, c'est d'aller à la mairie. Hein. On va prendre à droite, en face, ça va. Là, on teste pas, on On modifie la trace un peu parce que là, on connaît bien, surtout Fernand, il bosse là, juste pas loin. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller dans les trois mairies qui nous manquent. Et Corbeau, donc on n'a pas besoin de se taper toutes les pistes cyclables pour pas grand-chose. Vu qu'il commence à pleuvoir, on va essayer de raccourcir un peu, quoi. Parce que l'air de rien, on est déjà au 100e kilomètre, là. Hein. C'est pas la même ambiance entre les patelins du nord et les patelins du sud. Petite passe de l'église, des drapeaux. La France, l'Europe, et ils ont mis quoi à côté? La discrète mairie de Saint-Cyr-en-Val. Très très sobre. Vraiment très sobre. Au loin là-bas, entre les deux gars, c'est la cathédrale d'Orléans. Là, vent dernier patelin, Saint-Denis-en-Val. La mairie est là. Hop. Bon, bah, c'est la mairie de Saint-Denis-en-Val, sobre, discrète, juste en face de l'église. Plus qu'une. Oui, on sent la joie et le bonheur dans tes yeux. J'ai faim, putain. Il est 15h17 et j'ai mangé 3 pâtes de fruits depuis qu'on est parti. T'as pas faim, toi? Si, j'ai faim. Ouais. J'ai mangé moins que toi. C'est vrai? Oui, mais je suis plus gros que toi. T'as petit déjeuner peut-être ce matin, par contre? Ouais. Des profiteroles. Au petit déjeuner? Oui. Il est perdu à tout jamais. C'est quoi ton... C'est Fat Fernand? Ah, c'est ça. C'est ça. Allez, on est parti. Nous entrons à Saint-Jean-de-Blanc. En 1927. Et voilà l'hôtel de ville. Bon bah c'est la dernière. Ouais. C'est la dernière mairie. On les a toutes faites. Saint-Jean-le-Blanc. Face à l'église. Oh bah là on n'est pas très loin d'Orléans, vraiment pas. Hein. Dans 3-4 km on est arrivé dans Orléans et dans 5-6 à la maison, en ce qui me concerne. C'est exactement ce que j'avais prédit, moi j'avais dit 16h à la maison. Pour le goûter. Bah ouais. Qui sera aussi le repas de midi. Ouais, là, il va peut-être falloir laver le vélo avant. Ouais, par contre, demain. Oh, moi, je sais pas. On va voir. Pas la foi, là. Moi, on va voir. Pour le moment, j'ai envie de le laver, mais il reste encore 5 km pour me décider. C'est tout dur, là. C'est dégueulasse. Arrêtez, je m'en fous de plein les mains. Un diamant. Suite, c'était dommage de le louper. Heureusement, il a l'œil, le Hervé. Ça, c'est la façade ancienne de la mairie. Voilà, c'est très joli. Ah, cette fois-ci, on est parti. Et on retraverse la Loire. Ici, c'est monstrueux pour les vélos, ça glisse. Bon, il n'y a pas photo quand même, hein. Ouais, ah bah quand même, il n'y a pas photo. Je crois. Ben voilà, 118 km, c'est terminé. On est retourné devant la mairie d'Orléans, ça c'est l'hôtel Groslot. Avec Jeanne d'Arc. Ouais messieurs, merci, c'était cool. Ouais. Hein. On a fini à 3, les meilleurs. Et oui. Voilà, les autres, qu'est-ce que tu veux? Bah, y en a un qu'on déteste, désormais on le déteste. Ouais. Faut qu'il le sache. On va lui crever ses pneus la prochaine fois. Ah, pas du tout. Non, je cherche une conclusion, je la ferai chez moi, tranquille sur mon canapé. Voilà. Allez, c'est parti. À bientôt pour de nouvelles aventures.